had to have done it. Allô, bébé. Allô, bébé. Oh, Seigneur Dieu, tu ne vas pas me croire. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle encore, dis-moi. Tu sais quand je te disais que je ne me sentais pas bien là? Hein? Je viens de faire le test de grossesse. Comme ça seulement, j'ai fait le test de grossesse. Il est positif. Sérieux, bébé? Mais non! Il est devant moi! Je n'en reviens pas. Toi, t'es où? J'arrive. Non, arrête, arrête. Je veux venir voir de mes propres yeux. Ok, d'accord, ça marche. D'accord, va tout à l'heure. Ok. Hey! Matondo, tatana, du matondo, Allô, Zola? Allô? Carmen? Ça va? Oui, ça va et toi? Moi ça va trop bien. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ouais, je suis trop contente, t'as gagné au loto quoi? Oh, j'ai pas gagné au loto toi aussi. Devine! Ouais, vas-y, accouche. Bon, laisse, je vais te dire. J'ai fait un test de grossesse. Et le test est positif. Ton chéri est au courant? Je lui ai déjà dit, je l'avais appelé, j'attends qu'il arrive. Ah. D'accord, ma chérie, je te rappelle. Ok, ça marche. Ah, ok. Bye. J'ai fait le test de grossesse comme je l'avais dit l'autre fois, je suis enceinte. Et je ne m'attendais même pas à ça. Et là, je me sentais pas bien, bizarre. Moi, je me sentais bizarre et tout. J'ai décidé de faire le test de grossesse. Et boum, je fais le test de grossesse positif. J'ai fait le test. Je dis qu'il était content. Et c'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu qu'on fasse le repas. Thank you.
Régis? Régis? Toujours pas? J'ai toujours mal, je ne peux bien dormir. Pas si. Allons aux urgences, je t'ai bien dit. Non, je vais garder. Oh, arrête ça. Ça ne va pas, je vais appeler ma sage-femme. C'est dangereux, c'est ce que tu as fait. Je dois pas aller faire bébé. Trop t'es-tu sentie? Bébé, allons aux urgences, s'il te plaît. Je t'ai dit que je vais appeler. Mais tu saignes là! Tu sais, je sais que tu aimes te marier, ça fait plusieurs années que vous êtes mariés. Mais regarde, il n'est même pas venu te chercher. Imagine que moi je n'étais pas là, je n'existe pas. Pourquoi tu dis ça? Hein? T'as des crevés là-bas. Hein? Moi, en tout cas, je ne suis pas là pour détruire ton mariage, ma chérie. Mais franchement, ouvre tes yeux, ouvre bien tes yeux. Moi, j'ai pas envie que tu souffres, hein? Je te jure. Hein? Faudrait remettre tout entre les mains de Dieu, tu remets ton mari entre les mains de l'Éternel, et tu verras que ça va aller, mais ouvre bien tes yeux, ma chérie, sois intelligente. Hey, je te connais, Zola, toi tu es toujours dynamique. Moi là où je suis, j'ai pas de problème. Moi. Parfois vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais je te dis pas de laisser tomber ton homme. Tu vois, ma chérie, ouvre juste tes yeux. Ah, c'est tout. Ça va quand même? Oui, ça va. Elle se porte bien? Ça va mieux? Oui, ça va, je crois. Désolé, hein, j'avais pas vraiment le temps. Non, non, c'est pas grave. Mais bon, moi je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous. Zola, ça s'appelle, chérie? En tout cas, merci pour l'assistance. Hein. Je te remercie quand même. T'as pas de trop pensé. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu tenais vraiment à cet enfant, mais il est mort. On va faire comment? Tu ne comprends pas en fait. Je voulais vraiment de cette grossesse. 12 ans de relation, 4 ans de mariage. Moi, je ne pense pas que c'est normal. Avoir perdu la grossesse comme ça si facilement. Je comprends pas. Mais,
Arrête ça, arrête ça. T'aurais dû me dire ça il y a longtemps. Moi je vais sortir. Là, je viens juste de. Bon, c'est bon, c'est bon. Je vais demander à un ami. Va, va. Les pieds, les couches, les couches. Ok. Je lui montre, hein. Voilà, ah, ma montre, vous n'êtes pas la seule à vous complimenter. Ah ouais. Ouais. De toute façon, j'en avais deux, mais j'ai perdu une. Je sais pas où je l'ai perdu. Mais je lui montre quand même. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Monsieur, excusez-moi, c'est vous qui avez ouvert cette assiette là? Monsieur, sortez de chez moi, s'il vous plaît. Sortez, dehors, dehors, dehors. Monsieur, sortez. Prenez vos affaires et vous sortez. Plus jamais ici, ok? Plus jamais! Dambe munene atonda languya abate la kanga na mi pepe mabe Dambe munene e makasi nanga. Mais attends Zola, c'est quoi ça? C'est quoi? Végis, tu ne vois pas que je suis en train de prier? J'en ai rien à foutre de ta prière. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, comment ça qu'est-ce qu'il y a? Depuis un moment, tu deviens parano là. L'enfant est mort, même fois. Donc quoi, tout le quartier doit être informé qu'on a perdu un bébé ici. C'est quoi ton problème? Je ramène un plombier, tu chasses le plombier. Tu connais combien il m'a coûté? Toi, tu fais tout pour gâcher. Et puis tu m'arrêtes avec les histoires de prière ici. J'ai comme l'impression qu'il y a des démons ici. Moi, il n'y a pas des sorciers dans ma famille. Tu m'arrêtes ça. N'importe quoi. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas pu perdre la grossesse ou comme ça.
tout entre tes mains, papa. Je laisse tout entre tes mains, Seigneur. Nous avons dit, vous mes cadeaux, pas bé. Je sais que je ne suis pas folle, papa. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je sais que je ne suis pas folle. Carmen? Régis? Carmen? Ça va? Ça va? Oh, mais depuis c'est une tata Carmen, là, pourquoi Béli? J'étais aux toilettes, je m'apprêtais à partir. Ah ouais, ça fait longtemps que je suis venue, hein. Et oui, justement, excuse-moi, mais Régis, il est pas là? Je sais pas, moi. Régis, vous avez un trop belle comme ça. Merci. C'est vrai qu'on va. Ah, j'avais un rendez-vous là. Mais Régis, c'est le Régis. Ah. Mais arrête de crier mon nom comme ça. Ah, depuis que là? Je suis arrivée, ah. Je t'appelle et tout. Je dormais. Carmen, ça va? Moi, j'étais partie chez l'opticien. Donc, il m'a demandé de repasser demain pour aller prendre les lunettes. Mais moi, je ne vais pas tarder, il va falloir que je rentre. Attends, je vais te donner ton truc, hein, mais mon cousin. C'est pas grave, la prochaine fois. Comment ça, la prochaine fois? T'es déjà là, je te donne ça. C'est pas grave, je t'ai là, ma chérie, en plus. Ah, ne dis pas. Bisous. Eh, le couple, amusez-vous bien. Ah, merci, Carmen. Allô, Zola? Oui, ça va et toi? Je vais bien, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ouais, vas-y, accouche. Je suis encore enceinte. Une deuxième fois. Alléluia! Après toutes ces années? Eh ouais, je suis trop contente pour toi, meuf. Eh, j'espère que cette fois-ci, tu ne feras pas de fausses couches. Hein. Dis-moi un peu, t'en es pas au courant de ça? Non, Régis, il n'est pas au courant. Parce qu'il se comporte bizarrement, en fait. Oh là là, eh, c'est une très bonne nouvelle, ma chérie. Ok, on se dit plus tard, moi je te rappelle hein, si tu veux. Je te rappelle vu que je suis un peu occupée là, je te rappelle si tu veux où je viens de chez toi. Ok. Eh, mais ben, c'est tu es chanceuse hein. Comment ça se fait? Putain, merde! Pourtant c'est un produit très efficace, mais comment ça se fait? Je t'ai dit d'attendre.
Après, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Là, il faut me payer. Ah oui, je t'ai dit, je vais te régler. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à ma paye, quoi. Non, je dois attendre combien de temps encore? Bah, je sais pas, moi, je te donne deux semaines, si tu veux. Écoute, tu m'as dit de faire quelque chose, j'ai fait. Mais pour l'instant, j'ai rien reçu. J'ai pas encore reçu ma paye. Donc, t'attends deux semaines. Je t'appelle dans deux semaines, si tu veux. Voilà. Mais, combien tu veux me payer, là? Ouais. Je vais te payer son argent, il n'y a pas mortel. Eh, ça sert pas de faire ça. Ça sert pas de faire ça. Eh, ça se casse, c'est moi qui paye en fait. Okay. Salut. Je venais justement te voir, je t'appelle sur ton téléphone, tu le réponds. D'accord, parce que j'ai reçu une visite, voilà, c'est un premier. Ok, bah. Moi je t'appelle dans deux semaines si tu veux. Oui, tu sais, on fait comme t'as dit. Ça marche. Ok, ben. Salut. Tu veux manger chez moi là? C'est qui ce type là? Le gars. Le gars qui vient de sortir. Je t'ai dit que c'est un premier. Un premier. Un souci que vous connaissez? Régis? Thank you.
Ah ouais. C'est moi la folle. Alors que c'est toi qui me trompais. Tu t'avances, je tire. Ok? Mais Carmen, elle avait raison. J'aurais dû te quitter depuis toutes ces années. L'amour m'a rendu aveugle. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu sais ce qu'elle est vraiment, Carmen? Oui, Carmen, c'est ma meilleure amie. Ah bon, tu m'étonnes? Oui. Tu m'étonnes parce que j'ai des choses à te montrer sur Carmen. Laisse-moi juste le temps de t'expliquer, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé, laisse-moi le temps de t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire en ce moment qui va tout changer? Hein? Tu doutes? Non, mais franchement, Régis. Attends, je vais te montrer des conversations. Attends, tu vois. Tu bouges pas sinon je tire. Ok? Allô bébé? Carmen? Comment ça bébé? Tu oses appeler mon mari bébé?